Yo, salut à tous, bienvenue sur Level Max Gaming Live. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la map The Beast from Beyond et je vais vous montrer comment faire le cinquième crâne du Skullbreaker. C'est parti. Donc pour le cinquième crâne, il va falloir trouver des pièces d'échecs et faire un jeu d'échecs. Donc je vous montre les emplacements, vous avez le premier emplacement juste ici. Donc le jeu d'échecs, en fait, il va falloir mettre la pièce qui spawnera sur le jeu d'échecs en échec et mat. Mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Vous avez un autre spawn ici, vous allez voir ça. Donc dans la description, je mettrai un lien de la page qui vous permet de simuler l'échec et mat avec les pièces. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc là, vous avez notre pièce juste là. Donc on avait trouvé des pièces avant les Américains, on avait cherché, eux ils ont retrouvé d'autres pièces et puis ils ont fait la solution pour le jeu d'échecs. Nous on avait essayé de trouver mais on avait galéré un petit peu. Mais bon, maintenant on est tranquille. Le cinquième crâne est tranquille, vraiment pour faire le Skullbreaker le plus chiant c'est le quatrième crâne. Donc là vous avez une autre pièce ici. Le quatrième crâne, sérieux, moi j'ai réussi deux fois à le faire en faisant au moins 20 essais. J'ai réussi une fois sur chaque chemin, donc ceux qui ont regardé le tuto du crâne numéro 4, il y a un passage à gauche et à droite, j'ai réussi une fois de chaque côté. Donc vous avez un autre spawn juste ici. Vous avez un autre spawn ici. Le suivant se trouve juste là, à côté de Boomstopper dans le coin. Vous en avez un autre ici, au coin de la table. Et le dernier spawn se trouve juste là. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il va falloir faire. Donc là, vous allez avoir une table d'échecs dans cette salle-là. Il faudra la regarder dans le sens de la chaise, comme si vous êtes assis sur la chaise de gauche. Je vais vous montrer. Donc il faudra regarder dans ce sens-là par rapport au site internet. Mettez-vous bien devant la chaise pour bien voir par rapport au site. Après, vous décalez et vous regardez comme ça pour bien les placer. Voilà, bien dans ce sens-là. Je vais vous montrer le site internet et puis je vais vous montrer la réussite de l'étape. Donc nous voici sur le site qui vous permet de simuler l'échec et mat. Vous avez juste à placer votre pièce noire qui apparaît donc déjà sur l'échiquier dans le jeu. Donc là vous voyez toutes les directions possibles et vous avez juste à cliquer sur le petit bouton là et là ça va simuler tous les emplacements possibles et ça va vous montrer là où vous devrez poser les pièces. Pensez bien à regarder dans le jeu, il faut regarder le jeu d'échecs comme si que vous êtes assis sur la chaise. Maintenant il vous reste plus qu'à placer les pièces. Donc là voilà, on est devant l'échiquier, il reste plus qu'à placer la dernière pièce. Mon pote s'en occupait, je lui disais où est-ce qu'il fallait la placer. Voilà, on la pose. Et voilà, on a un petit feu d'artifice, on va dire, pour confirmer l'étape du cinquième crâne. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut à tous. Peace.